Bonjour, bienvenue dans le mois d'avril qui est celui du diamant. 57 facettes, une pureté absolue pour certains d'entre eux, un rayonnement exceptionnel pour la majorité. Le diamant est l'une des plus belles pierres blanches du monde. Elle présente aussi l'indice de dureté le plus élevé, 10 sur 10. Cette pierre sublime représente la virginité, la pureté, et elle est reliée au chakra couronne, c'est-à-dire celui qui se trouve juste au-dessus de la tête et qui est donc directement en lien avec les mondes spirituels. Pour certaines personnes, le diamant est un petit peu trop puissant. Pour d'autres, il ouvre l'esprit, il permet d'avoir des visions et même de se centrer et de se retrouver. Tout dépend non seulement du degré de spiritualité de la personne, mais aussi de sa force intérieure et du moment qu'elle traverse. On a parfois besoin de se connecter avec la Terre, à d'autres moments, on prend son envol pour d'autres pensées plus aérées, plus hautes aussi. Les diamants sont classés selon ce qu'on appelle les 4 C. La clarté, c'est-à-dire sa pureté. Le carat, c'est-à-dire son poids. La coupe, c'est en fait sa taille. Et sa couleur, plus ou moins blanche. Plus le diamant est blanc, plus il est beau. Mais cela ne suffit pas, car c'est sa taille, donc sa coupe, qui lui donne son éclat sans faille et sa brillance. Un diamant très blanc, mal taillé, est un diamant qui n'aura pas d'éclat, alors qu'un diamant un peu moins blanc, extrêmement bien taillé, nous en mettra plein la vue, on lui pardonnera vite sa couleur un petit peu moins blanche. Un gros diamant bien taillé sans aucune impureté, c'est-à-dire flawless, est très blanc, est non seulement extrêmement rare, mais aussi extrêmement cher. Excellent mois d'avril à tous dans la joie, la pureté, la créativité et l'unité.